Ni hao, je suis Grégo le Geek, ou j'ai pour les intimes, et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau déballage sauvage, comme toujours, un produit, alors bon, même si celui-là j'ai triché, je vous expliquerai pourquoi après, mais je sais ce qu'il y a dedans. Tadam ! Allez, c'est parti, bon, c'est quoi ? C'est une enceinte Bluetooth outdoor, couleur black. On va regarder un petit peu. Alors, dedans, on retrouve un petit... Allez, je vous fais voir ici. Bah oui, il y a deux caméras. On va en profiter. Un petit mousqueton. Voilà. Hop. Notre enceinte Bluetooth. Et un câble USB, micro USB, pour pouvoir recharger un petit peu l'animal. Alors, je vais voir un petit peu l'enceinte. Qu'on va ouvrir tout de suite. Alors, une enceinte. Bah, une enceinte plutôt la classe, en fait. Hein. Plutôt jolie. Je vous fais voir ici. Alors, c'est de la marque Archer. Bah oui, pour les fans de... Pour les fans de... Ah, comment il s'appelle ? J'ai oublié. Bon, vous mettrez en commentaire. Mais j'ai complètement oublié. Alors, les petits boutons pour le dessus. Oh, c'est rigolo avec le petit mousqueton là. Oui, j'ai fait exprès. Hein. petit bouton ici. Oh, pour régler le volume. Oh, ça, c'est bien. Pas mal. Ça, c'est quoi ? Sur le côté ici, on va retrouver quoi ? Petite connectique. Alors, ah, pas mal. Vous voyez, il y a le connectique, je vais voir un petit peu avec la lumière. Alors, connectique, pour mettre une micro SD, ça c'est pas mal. La charge en micro USB et une line in. Ça c'est bien vu ça. Ah, pas mal. Sur le dessus, des petits boutons, mise en route. Et ben, on va regarder ça tout de suite avec le smartphone. Device is ready for connecting. Wow. T'es bien caché, hein. A210, c'est peut-être celle-là. Connected. Yeah. Connected. Allez, c'est parti. On va écouter un petit peu ce qu'elle donne, un peu, l'animal, là. Je vais mettre la caméra. Bon, on va écouter un petit peu ce que donne le son. Hein, avec ici, le son. Hop, musique libre de droit, bien sûr. Allez, c'est parti. Next one. Oh, my favorite. Ma préférée. Je vois pourquoi il parle pas l'anglais maintenant. Encore une. On peut toutes les faire, hein. Bien que ce soit la dernière. Bon, c'est tout. Allez, c'était juste un déballage. Donc, plutôt bien. Du coup, bon, pour comprendre dessus, chanson d'avant, chanson d'après, mettre en route, comme quoi elle est bien connectée en Bluetooth. Il y a un petit micro. Là, il y a les connectiques. C'est plutôt bien vu. Et le bouton volume qui est ici. C'est quand même plutôt pratique pour mettre le volume. Ben oui, parce que je restais appuyé sur le bouton et en fait, ça marchait pas. Particularité du dossier, je reviens. Oui, parce qu'en théorie, il y a la surprise. Mais comme la meuf m'a écrit en me disant « Eh non, maman, vous l'avez reçu, vous allez bientôt la déballer. » Alors, Bluetooth, c'est bien, nananana, chose, hein, l'APA. Batterie 1500 mAh, c'est pas mal. 2x5W avec un petit haut-parleur passif. C'est pas mal, ça fait le boulot. Faut voir si je peux te remettre un peu de musique, là. Synchronisation. Voilà. Allez, 2x5W avec un petit haut-parleur passif, c'est pas mal. Le son est pas surpuissant, hein. Vous ferez pas, c'est pas le Macumba, hein. Vous allez pas rouvrir le Macumba à Saint-Julien, c'est sûr, mais c'est pas mal. Bluetooth, carte mémoire, ça c'est bien. Le prix 38€, donc en même temps c'est pas excessivement cher. On vous mettra le lien dans la description si vous voulez l'acheter directement sur le site du vendeur et tout. Voilà, c'est vite fait. Allez, c'est tout pour déballage sauvage, comme toujours. Fouet sur G3R, cher, commentaire, pouce en l'air. Ah oui, c'est plutôt bien, tu peux t'abonner, comme ça, comme dirait ta mère, t'en loupes pas une, n'hésitez pas à t'abonner en cliquant, il y aura un lien en haut et en cliquant en bas en droite sur ma gueule, comme ça tu pourras savoir un petit peu tout. Allez, c'est tout, moi je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo high-tech ou smartphone. Bah, maintenant, on va danser.